Quoi ? Toi, tu sur du Assassin's Creed ? Le tout dernier qui vient de sortir ? Mais tu es malade ? Eh bien non. Après un mois et demi d'absence, on se retrouve sur une petite vidéo. J'ai peut-être oublié de me présenter, mais je pense que pour le peu de personnes qui me suivent, je me nomme Laozi. Ou pour les intimes, c'est Loïc. Eh bien oui, je pense que c'est mon prénom. Attendez, là je crois que j'ai repéré. Ok. Non, je peux au moins essayer d'assassiner ces... Non, même pas. Oh, je peux l'achever, achever. Oh yeah. Non, non, non. Mais j'étais... Ah, mais j'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. Imagine, non, moi j'achève un mec que j'aimais pas et on me tue dans le dos. Ah, quel jeu sadique. Ma foi, après un mois et demi d'absence, comme je le disais, je suis très heureux de vous retrouver sur un jeu aussi magnifique que celui-ci. Bon, je vous ai déjà fait le coup avec Modern Warfare 3. Bon, je pense que là, on pourrait me pendre. Non, pas pendre. Pourquoi je peux pas me... Ah, je vais m'asseoir, je suis un petit peu fatigué. Comme ça, je vais pouvoir observer. Non, pas Modern Warfare 3, purée, mais comment je vais confondre. Mais là, de Modern Warfare Fighter, j'avais fait une vidéo découverte dessus sur la bêta. Franchement, en première vue, il m'avait beaucoup plu, mais après, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ma priorité. Je pense qu'un Call of Duty ou un Battlefield, ça restera toujours la licence phare et qui gagnera toujours, enfin gagner entre guillemets, qui sera toujours la plus vendue. Enfin au moins pour encore une période de au moins 10 ans. Vous voyez du style on aura Call of Duty Modern Warfare 15. Eh oui. Non, Modern Warfare 15, c'est pas possible, alors ce serait dans une trentaine d'années, ouais, pourquoi pas. J'ai un petit peu bougé, faut que je trouve des os. Ah ! Ah 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 ! Les musiques sont belles. Alors pourquoi ce jeu ? Bah parce qu'il m'a un petit peu plu, directement. Quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai regardé les gameplays de... youtubeur qui avait pu faire des vidéos dessus en exclusivité, et j'étais franchement conquis. Surtout que j'avais joué au premier Assassin et au deuxième. Franchement, que de bons souvenirs. Ah, voilà, croche. Ouh. J'aurais pas aimé être à sa place. Donc, c'est vraiment deux jeux qui m'ont plu, mais après, je les ai un peu laissés tomber. Voire complètement oubliés. J'avais toujours. Comment dire, pas un bon souvenir, mais dès que j'en parlais, j'avais toujours une énorme appréciation. C'était toujours des superbes jeux. Après, j'ai un petit peu laissé tomber, comme je l'ai dit. Et là, quand le 3 a pointé le bout de son nez, je me suis vraiment dit, oula, ça c'est pour moi. Il faut que je me lâche un peu de mes FPS et que j'aille sur un jeu, bon, pas vraiment relax, mais... Mais qui est vraiment différent. C'est plus relaxant, je trouve, que de jouer toujours à des jeux FPS. Même si Borderlands 2, d'ailleurs, je devrais toujours faire une petite vidéo dessus. Est un jeu magnifique. Enfin, magnifique, c'est pas vraiment le mot, c'est juste un jeu super défoulant. Et l'histoire est pas mal aussi. Hein. Franchement, je suis arrivé à un moment de l'histoire. Je suis à peu près niveau 26. Donc, je pense que vous devez voir à peu près quel moment de l'histoire ça se situe, et pour ceux qui y jouent. Et c'est vraiment assez... On va dire, c'est pas une histoire forcément banale. Enfin, elle l'est un petit peu, mais finalement, on s'attache quand même au personnage. Ça, c'est bien. Bon, là, je croise personne. Ça commence à me gaver. Il faut vraiment que je trouve des gens, là, parce que moi, je fais des belles cinématiques d'assassinat. Je peux pas. Vous voulez assassiner ? Non ? D'accord. Bon, je sais qu'il est en blanc. Ah, lui, je peux. Lui, je peux, par contre. Ah. Oh. Alors, lui, je l'adore. Ce perso avec son crochet.
Je trouve ça, il est vraiment stylé. Il semble vraiment un assassin comparé aux autres persos. Enfin, lui aussi. Le mec là, Alfonso. Enfin. Oui, pourquoi un mois et demi d'absence? Je sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo. Eh bien, parce que j'avais cassé mon micro. Enfin, il est toujours cassé, mais là, je m'en sers d'un autre. En fait, je m'enregistre ma voix sur mon iPhone, dans l'application Dictaphone, où je vais prendre le mémo et transférer sur mon PC pour le mettre ensuite sur Sony Vegas. Non, je peux pas l'avoir non plus. Ouais, je l'ai eu. Ah! Ah, t'aimes ça, hein? T'aimes ça, hein? Non, pardon. oui, en fait, je l'ai. Enfin, c'est pas que c'est moi, je l'ai jamais laissé tomber, je l'ai pas cogné une seule fois. Mais je pense que c'est un court-circuit, c'est pour ça que je l'ai envoyé en réparation. Enfin, en réparation, je l'ai envoyé, il était encore sous garantie. Après, je vais voir si je vais pouvoir en avoir un. Où est-ce qu'il est? Je l'ai pas vu, moi. Ah, si. Si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Faut pas que je le perde. Yeah! Voilà, je vais me cacher là. Et il fonctionnait plus, donc j'ai pas su faire de vidéo. Et bah, je m'en excuse, hein. Non, non, non! Oh! Oh, ça fait mal. Ça, c'est une femme. Non, j'en reviens. Donc, j'étais un peu déçu parce que je voulais en faire. Hein. Y a pas de souci. J'avais pas la motivation parce que mon micro était cassé et j'étais un peu désespéré. Mais finalement, j'ai pu enregistrer ma voix avec mon iPhone. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Faut essayer. Hein. Après, la qualité, je sais pas si elle va être super bonne. Mais je pense que le minimum, c'est de vous proposer une vidéo après un mois et demi. Je pense que ça vous fait un petit peu plaisir, enfin pour le peu de personnes qui me suivent. Mais là, je sais que... Non! Oh! Oh! Je peux vous dire que ce Blueberry Panda, ça fait trois parties là que je joue avec. Et franchement, il est vraiment bon. Enfin, je sais pas, à chaque fois, il m'assassine, mais parfaitement, je vois même pas. Bon, si je suis un petit peu un débutant, surtout sur le multi. Bon, désolé si c'est un peu la pagaille dans tout ce que je raconte. C'est le soir, je suis fatigué, mais j'avais vraiment envie de faire la vidéo, comme je l'avais précisé juste avant. Parce que c'est la moindre des choses, de vous dire que je vais faire des vidéos et puis de vous en proposer une seulement après un mois et demi. Là, j'ai repéré, mais je vois pas où il est. Ah, c'est lui. Ah non, c'est Signeur. Oh. Désolé pour ce blanc. Ah, Blueberry Panda. Panda. Ouais, je t'ai eu. Bien discret en plus. Pas vu. Alors, du contenu autre que Assassin's Creed, évidemment, je vais vous proposer avec une vidéo sur Black Ops 2. Dès que je l'aurai, parce qu'en fait, je me suis fait un peu, pas pigeonner, mais troller. Car je pensais qu'il sortait le 13, donc sûrement le jour où la vidéo va sortir. Enfin, celle-ci. Et en fait, non. En Belgique, apparemment, il serait sorti depuis le 12. Et donc, ben, j'ai pas le jeu, et donc, je dois attendre le lendemain pour pouvoir seulement l'acheter. Et vous proposer une vidéo, et puis ensuite l'upload, ce qui se prendra sûrement encore 2 jours. Pas pour l'upload, mais... Oh, je m'attendais pas. Aussi pour l'upload. Je vous réserve aussi un gameplay sur Halo 4, évidemment. Pas le mien, mais celui d'Xtasy, parce que moi, soit c'était Black Ops 2, soit c'était Halo 4. Alors, j'adore aussi les Halo. C'est vraiment une série que j'aime bien. Mais je devais choisir. Vite, un dernier assassinat. Ouais, yeah! Classe. Pour la dernière seconde. Le pire, c'est que je suis que sixième. Donc je vous le dis. Attends, on va voir.
Ah, c'est même pas Blue Panda qui est première. D'habitude, c'est elle. Enfin, sur les deux parties que je fais juste avant. Oh, je suis dernier. Je suis vraiment pas expérimenté. Hein. Jolie cinématique. Ah, et le mort. Non, est mort le moins souvent. Ne m'étonne pas. Donc, je reviens. Un gameplay sur Halo. Sur Halo 4 d'Extasy. Parce que moi, j'ai pas pu acheter le jeu. Mais je compte sûrement le faire, hein, mais plus tard, pour les fêtes de fin d'année. Enfin voilà, ça me fait très plaisir d'avoir refait cette vidéo, même si ça fait un mois et demi que j'en avais plus proposé. Je te remercie si t'es arrivé là, jusqu'au bout de la vidéo, parce que franchement, ça doit être difficile de me suivre jusqu'au bout. Surtout quand je commente comme ça, parce que je suis assez fatigué. Enfin voilà. Si ça t'a plu, bah, je t'invite à laisser un like, vraiment, parce que ça permet de me développer. Et moi, je fais pas de pub, hein, enfin pas de la pub excessive sur les chaînes de grands youtubeurs. Et j'essaie vraiment d'augmenter l'audimat par moi-même. Enfin, je fais un petit peu de pub sur Facebook avec ma page, d'ailleurs, je t'invite à aller la voir. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il me reste à te dire. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, pense à laisser un j'aime et si tu veux me suivre, abonne-toi.